Alors il me reste bien sûr à mettre un supportage ici pour tenir le tuyau, à peut-être aligner parce que c'est pas vraiment vertical ici, il manque pas grand chose mais c'est pas vraiment vertical, il manque à étancher ici là-haut un petit peu, mais bon la priorité parce que la pluie va pas tarder hein, c'est d'aller étancher ici. Pour ça j'ai acheté quelque chose de surdimensionné, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on peut mettre sur les inserts. Bon moi je vais les mettre là-haut. Ça tient à l'extérieur, ça tient à la chaleur. Je vais rajouter un litho dans ce sens-là pour être bien renforcé au niveau des lithos, puisqu'ici ils sont en porte-à-faux. Normalement, il faut 8 cm entre le tuyau et les éléments à côté. Donc ici, j'ai coupé les lithos de manière à ce qu'il y ait 8 cm minimum. Pour tout ce qui est norme ici, je vous mets un lien dans la description. De toute façon, c'est qu'un chauffage d'appoint hein, et je ne vais pas faire des grosses flambées. Yeah.
Bon, finalement, comme c'est des grosses cartouches et que je n'ai pas besoin de beaucoup, j'ai mis tout ce que j'ai pu, j'en ai même mis à l'intérieur, j'en ai mis à l'extérieur. J'ai fixé donc le montant vertical du tuyau ici en sandwich dans ces cornières de récupération. Voilà, là ça bouge vraiment pas. J'ai mis des vis de poêlier, mais bon, c'est vraiment pour le fun, ce n'est pas nécessaire. Et maintenant, eh bien, je vais attendre que ça sèche pour enlever ici la cale que j'ai mise pour garder l'alignement. Ensuite, eh bien, l'été, ce que je pense faire, c'est pouvoir déconnecter ici, déconnecter le tuyau, déconnecter le poêle et le pousser, voilà, et le sortir l'hiver. Si c'est gênant, je ne sais pas trop encore. Le problème de ces cartouches, c'est que, eh bien, elles sont pas, c'est pas durable. C'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser tout le produit. Mais au bout de quelques jours ou quelques semaines, ça dépend des joints, eh bien, toute la cartouche est foutue. Au-delà de l'aspect argent dépensé, c'est quand même dommage de dépenser tous ces produits-là pour rien. Donc j'en ai mis autant que j'ai pu. C'est le même principe pour toutes les cartouches qu'on utilise. Je vais avoir le même problème avec toutes celles que j'ai achetées. Je ne suis pas sûr que je les utilise pour tout. Et même en y remettant le bouchon tel qu'il est prévu, par expérience, ça ne suffit pas. Et je ne me suis pas trop loupé puisque il me reste qu'une seule ardoise, celle qui allait là. Voilà, remplacée par ça. Donc on voit que le taux de recouvrement est plus important que l'ardoise. Donc normalement, ça devrait bien se passer. Ce joint sèche très très vite. Je l'ai posé il y a à peine 5 minutes et déjà il y a une petite croûte qui se forme. Alors là, je suis sur le poêle, je suis à 70. Ici, sur la tête de poêle, je suis à 90, 100. Bon, là, ça monte à 125. 50 au départ et 125, 126. Là, je viens de faire une grosse flambée. 130. Ici, 190, 200, presque. Ça vaudrait presque le coup d'y mettre un ventilateur pour récupérer l'énergie qui est ici là. Bon, ça va descendre parce que j'ai fait baisser là. J'avais mis beaucoup de bois au départ. Et donc du coup les flammes allaient directement, on le voit là, les flammes elles vont directement dans la sortie. Sous le poêle, j'avais une inquiétude, mais elle est levée. Il n'y a pas d'énergie dessous, tout simplement parce que il est fait comme ça, entre le foyer qui est ici à 30 cm de hauteur et le sol, il n'y a pas de transmission d'énergie. Donc là, je suis à 120, et si je regarde le supportage, hop, 50, 32. Et là-bas, 150, et dehors, et bien je vais aller voir. 90, 20, 17. Voilà, c'est juste ici là. La dissipation d'énergie, elle se fait, dissipation de chaleur, elle se fait très vite. Ici c'est chaud, et là c'est froid. Au niveau combustion, elle est bonne puisque voilà, j'ai pas de fumée, un tout petit peu de fumée, mais vraiment rien quoi. Maintenant que le tuyau est mis, eh bien, je vais remettre mon grillage pour que personne aille s'y mettre les doigts dedans. Mais bon, je vois pas pourquoi on irait mettre les doigts sur la charpente. Mais dans tous les cas, ici il y a un grillage de protection que j'avais enlevé pour travailler et que je vais remettre. Bon, au niveau de l'atelier, on avait 12 tout à l'heure. On arrive à 15 là, en l'espace de demi-heure, on va dire. Et puis plus je m'approche du poêle, 17, 18. Bon, là-bas, je voulais montrer, on est à 23. Au plafond, on est à 18, alors que dehors, on est à 9. J'arrive à 14 ici, en l'espace d'une heure. Donc ce radiateur électrique que j'avais monté temporairement, je pense que je vais m'en passer, parce qu'il fait que 1000 watts, et ça là-bas, c'est beaucoup plus puissant. À 85-86, le radiateur électrique, il était à 67. Et d'après la plaque à signalétique, on peut chauffer 120 mètres cubes, donc
je suis largement bon. Du coup, 120 mètres cubes, et en plus, je vais recycler ben, tout mon bois, tous ces déchets là, dont je ne sais pas quoi faire. Donc là, ça s'est calmé un petit peu. Bon, j'ai mis trois morceaux de bois et ça dure. Voilà, il y a quelques bricoles à faire dessus, mais déjà en l'état, je vais arriver à le faire fonctionner. Enfin, j'arrive à le faire fonctionner. J'aurai pas le temps tout de suite, mais pour l'hiver prochain, j'ai quelques modifications à faire. Vous avez vu que même si on n'a pas tous les outils nécessaires, et c'était mon cas pour cintrer, pour plier la tôle, pour la découper, pour faire ce petit montage, ce petit chapeau de cheminée, avec un reste de tôle que j'ai depuis je ne sais plus combien de temps, depuis très longtemps je l'ai. Je ne sais même plus ce que c'est, je pense que c'est de la tôle zinguée. Je pense qu'il doit y avoir un petit peu de plomb dedans parce que c'est quand même très malléable. Et vous avez vu que même si on n'a pas les bons outils, eh bien on arrive quand même à se débrouiller, à s'amuser. Et avec le temps qu'il fait et ce couvre-feu qui nous oblige à rester à l'intérieur, j'ai beaucoup de chance de pouvoir travailler dans l'atelier. J'ai une pensée pour tous ceux qui sont coincés dans les appartements et qui ne peuvent pas faire tout ce que je fais. J'espère que ce mauvais moment va être le plus court possible et que cette vidéo participera à vous divertir si c'est votre cas. Et oui, parce que le bricolage, avant tout, c'est un divertissement. Bien sûr, on fait des choses, mais on les fait pour s'amuser. Et là, je me suis vraiment régalé. J'ai appris des trucs. J'avais jamais découpé de la tôle à ce point-là. Donc, je pense que c'est quelque chose que je vais refaire parce que c'est très intéressant, j'avoue, de former la tôle. Je me suis débrouillé comme j'ai pu. J'ai fait des modèles en papier pour arriver à avoir quelque chose de satisfaisant, même si c'est pas une qualité de professionnel, bien évidemment. Quand on fait ça sur un coin d'établi et qu'on n'a pas forcément les bonnes enclumes et les bons marteaux et les bons gestes, on n'arrive pas à un résultat parfait. Mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'était de faire quelque chose qui puisse aller sur ce conduit, qui est d'une dimension, si vous n'avez pas suivi les épisodes précédents, c'est une dimension qui est vraiment ancienne, c'est-à-dire que c'est du 100 mm. Aujourd'hui, ça n'existe plus. On ne fait plus ce diamètre-là. J'ai eu de la chance de trouver des tuyaux pour aller dans le poêle, parce que sinon, eh bien, j'aurais acheté ce poêle d'occasion pour rien. J'ai trouvé ces tuyaux, mais je n'ai pas trouvé le chapeau, et c'était la seule façon de se débrouiller, sauf peut-être à adapter un diamètre 125 ou 170 ou 180, je ne sais plus ce que c'est maintenant comme diamètre, je crois que c'est 125 et 180, et adapter donc un modèle comme ça à un diamètre 100. Là, j'avais un bout de tôle, je me suis amusé, j'y ai passé l'après-midi, ça m'a fait réfléchir, et j'espère que ça vous a diverti. Il a souffert, on le voit, il manque pas mal d'émail, mais ça n'empêche que eh bien, je l'ai sauvé de la casse. Il allait, sinon il allait à la casse. Là aussi, l'installation n'est pas une installation digne de ce nom, mais regardez où on est et regardez à quoi ça va servir. Ce poêle, il va servir 2 heures l'hiver quand je serai dans l'atelier. Il ne va pas servir en permanence, il ne va pas fonctionner quand je ne serai pas là. Donc j'ai aucune inquiétude, même s'il n'est pas gainé ici, il aurait dû être gainé sur les 20 cm de traversée. Il ne l'est pas. Le seul regret que j'ai, c'est que eh bien, pour être efficace, ce poêle, il aurait dû avoir un conduit de cheminée plus long. Mais s'il avait eu un conduit de cheminée plus long, eh bien, il m'aurait pris beaucoup plus de place dans l'atelier. Et là, regardez, donc j'aurais été obligé de le mettre à la place du combiné ou le rapprocher du combiné, et c'était pas terrible. Ça aurait pas été top. Donc ce que j'ai préféré, c'est de faire ça et de laisser derrière, ben, il y a à peu près 1 mètre derrière qui chauffe. Enfin, il y a 80 cm qui chauffe à l'horizontale, comme ça, là. Et puis, il y a 1,50 m, comme ça. Bon, c'est une solution, on va dire, entre le fait de l'avoir collé contre un mur, parce que j'ai vu que certains mettaient les poêles collés contre un mur, après, ça partait directement dans la cheminée. Là, eh bien, en fait, on perd toute l'énergie qui part dans le tuyau. Ici, on l'aurait perdu. Là, on récupère 1,50 m. On aurait pu récupérer plus, je suis d'accord. Ça aurait été mieux, mais c'est au détriment de l'encombrement, et puis voilà, il faut faire des choix. Donc ce choix est fait. J'ai payé 150 € pour la tuyauterie, et ce poêle, je l'ai payé 90 €. 90 €, je pense que c'est honnête. À l'intérieur, il y a des grilles qui sont cassées, tout ce qui est réglage de l'admission d'air est cassé aussi, mais ça fonctionne quand même. Bon, c'est pas grave parce que le poêle est français, les tuyaux sont français, tout ça c'est fabriqué en France, ça vit, ça va continuer à faire ce pourquoi c'était conçu,
Donc, c'est une bonne chose. J'en termine donc là, après avoir beaucoup parlé. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire ce qui vous a intéressé, ce qui ne vous a pas intéressé. Je vous dis donc à très bientôt. Pensez à me mettre un pouce levé si vous avez apprécié cette vidéo et à vous abonner si vous voulez revenir me voir. À très bientôt donc, en attendant, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.